demi-tour avec le pont embarqué. L'idéal est de prendre le premier virage à l'intérieur. L'avantage, c'est que c'est compliqué de doubler, sauf si tu es en problème. Avec, on va essayer de faire ça comme il faut. On va essayer de faire ça propre. He's definitely going to be difficult to beat today, but anything can happen. So we'll have to keep a close eye on how this unfolds over the course of the race. So what would you have been doing overnight if you were Lewis Hamilton to make up the time difference that he needs to make up based on yesterday's qualifying time? Alors, il court en partie en 18e, hein, et à mon avis, il va y avoir du grabuge. Même Perez, hein, qui est partant. C'est une connerie. On est dans les 10 premiers là. Allez, ben écoutez, c'est pas la peine que je regarde la stratégie, on sait qu'on compare avec les pneus jaunes, donc Cyril, je compte sur toi pour les strats. On est parti pour la course, bonne course à tous, j'espère que ça va bien se passer. Allez, le départ qui se passe plutôt pas mal. Là, on a Hamilton qui nous a fait l'intérieur, bien évidemment. On essaie de pas se faire accrocher derrière. Ouais, c'est au contact du pilote britannique qui lui a bien gardé l'intérieur. Hein. De toute façon, je pouvais pas fermer, sinon j'allais l'embarquer. J'ai un petit souci avec le volant, et ça c'est depuis quelques temps déjà. Il faut que j'attende le premier virage pour que le G27 réponde convenablement, sinon avant le premier virage je n'ai pas du tout de sensation dans le volant, donc du coup c'est assez délicat de vouloir attaquer dès le départ dans ces conditions. Donc Hamilton qui prend la poudre d'escampette déjà. Ça me semblait délicat d'aller essayer de tenir face à une Mercedes. D'ailleurs, on a Vettel qui nous met la pression. Enfin, ce qu'il faut, c'est qu'on reste dans la course et qu'on arrive à rester au contact de Hamilton. On n'est pas à l'abri d'une défaillance ou quoi que ce soit sur la Mercedes du Britannique. Donc, il faut garder la foi. Right, here's a heads up on the current fuel. We have 50 kilograms remaining. 50 kilos. DRS is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone.
Conditions to remain dry for a while. We will update you if the outlook changes. Ok, Angel garde le rythme, préserve les pneus. Au max, ça ne sert à rien d'aller à l'assaut d'Hamilton d'entrée. Non, non, j'essaie de garder mes distances avec lui, mais je vais pas chercher à surconduire pour aller chercher le pilote Mercedes. Je vais garder cette place et on jouera sur les strats. Voilà, c'est un virage qui suit celui-ci où je perds du temps sur Hamilton. Comme la voiture survire, lui arrive à prendre plus la corde et à la tenir. Donc du coup il est plus rapide que moi et creuse l'écart dans ce virage à droite. Check, continue comme ça, tu me feras un check des gommes dès que possible, ok. Donc. Voilà où on en est, Cyril. Stopper à la fin du tour 10 et on passera en prime. Hamilton's out in front. Finish with a little extra fuel, so you have some in hand to run a faster engine mode for a bit. Okay, op
options for your next stop. The window opens in 2 laps time. 2 laps. Is now open. They look okay for now, but we can see the wear. If you can't feel it already, then you'll certainly start too soon. Just be careful. Don't forget, pit in this lap. Closes this lap. Hamilton has the lead. Cyril, si Vettel remonte, est-ce que je dois lui résister ou est-ce que je le laisse filer? Parce que là, avec la dégradation des pneus, ça commence à devenir difficile de tenir la voiture. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner encore jusqu'au tour 10. Ça joue, hein, mais... Je préfère prévenir que... Question ne se pose pas déjà puisque tu t'arrêtes à la fin d'ici, on se serre les dents, d'accord.
kilograms remaining, 40 kilos. Mais il a pris combien d'avance Hamilton, là je le vois plus. Il a encore pris 5 dixièmes sur ce tour. Chier. Hamilton has just entered the pits. He's in the pit lane right now. Hamilton qui fait un super barré et qui repart juste devant notre nez. Et un arrêt qui se passe très bien aussi pour nous. Button 3ème, ouais, qui vient d'être repassé par Rosberg d'ailleurs. Rosberg 3ème maintenant. Alors, je sais pas ce qu'a chaussé Hamilton. Titanium Fred, merci d'être passé, bonne nuit, bon courage pour demain et à bientôt. Ah, les pneus qui sont pas en température, c'est assez comique. In terms of fuel, we're now at about 75% of our starting load. 75% fuel remaining. Ah, j'ai loupé mon freinage et immédiatement il y a Rosberg qui vient se présenter à l'intérieur. Et il m'embarque. Rosberg qui m'emmène la voiture. Et on va en faire un état de la voiture. J'ai l'aileron avant qui est cassé. C'est une catastrophe. Incroyable, incroyable cette situation. J'ai pas voulu résister à Rosberg, hein. J'étais pas du tout sur la bonne trajectoire. Hein. Il est resté à me pousser à l'intérieur, hein, comme l'IA le fait depuis le début de la saison. C'est complètement dingue. Cette IA sur F1 2015 qui fait vraiment n'importe quoi, c'est incroyable. En plus, je suis pas resté à la corde, je suis bien resté à l'extérieur et tout ça, mais c'est complètement fou. Et alors, on a le sentiment que dès qu'on se fait accrocher, on est aimanté à la voiture, hein, de la TRC1, hein, donc c'est complètement fou. J'espère que Rosberg a pris cher aussi, hein, et qu'il va prendre une pénalité, parce que là, c'est juste abusé là.
vérifier, Cyril. The car behind is on standard revs. Car behind is running standard revs. Hamilton has just put up the fastest lap of the race so far. Non mais maintenant c'est... Non mais non. Maintenant c'est Maldonado quoi. The track is clear. Green flag. DRS, non? Hamilton's in first place. Is losing around 5/10 to you each lap. Maldonado's lost a second to you last lap. You're a second faster than Maldonado. Et Nasser hein, qui vient me frotter encore les roues arrière. Salut Worldmania, alors mon volant c'est un peu compliqué, c'est un G27 et un Steel Series. Et un mélange des deux. There's about a lap's worth of spare fuel in the car. You won't be able to run in mix 3 for long with that much, but do burn it if you need to. Donc je finis avec des primes
Cyril, les pneus blancs. J'ai eu un souci, j'ai fait n'importe quoi. Je m'autorise un flashback. Ericsson's next. See if you can get through. Okay, we're not seeing any issues with tire wear right now. You should have good grip for a while yet. Ouais, Cyril, y a pas de soucis, je te demandais juste confirmation. Salut Poulpito, bienvenue sur le live, merci de passer, ça fait plaisir. Faut pas passer discrètement, faut se manifester. Has just peeled off into the pits. He's in the pit lane now. Thank you.
50% fuel remaining. 50% of our starting fuel load remains. Into P9 now. We're now running at 25 kilos of fuel. That's 25 remaining. Just to advise you, we're expecting the tyre grip to start falling off noticeably around now, but this set should be okay for a while longer despite that. Allez, j'ai pas de temps à perdre là. C'est con. Putain, mais Alonso est trop lent. Ok, si je rentre au stand, je mets les primes. Ouais, Siri, j'ai attaqué. T'as bien vu, hein, j'ai attaqué Alonso au DRS. Un seul problème, c'est que je me suis mis au freinage et. Et ben voilà ce qui s'est passé. Allez, on repart derrière Alonso. Okay,
We have 20 kilos remaining. That's 20 kilos. Hamilton has the lead. Position or will receive a penalty. And brakes are at optimal temperature. Nice work, that brings you up a place. Derrière mon grand copain. C'est terrible d'être obligé de lever le pied à ce point-là. Dans le cheval. Okay, you're within 1 second of the car ahead. Get ready to use DRS to overtake. Quick tire update for you. Everything's looking nice and tidy on our end. Let us know if you start to feel any issues. He's running on full revs, mix three, he's going to attack. Okay, at this rate we'll finish with a little extra fuel, so you have some in hand to run a faster engine mode for a bit. Looks like we've just hit the 15 kilo mark.
terms of fuel. 15 kilos of fuel remain. Fasten the car ahead in sector one. Use that advantage to get past. We've burned off 3/4 of our initial fuel load. There's 25% remaining. Increasing your lead over Kvyat by a second a lap. 1 second. Okay, tyres still looking good, Nick. Let's keep them that way for as long as we can. Hamilton's in first place. Box, box, box. Information for you on the fuel.
is now at 10 kilograms. That's 10 kilograms of fuel remaining. Your pit window is about to close. Faster through Sector 1, faster than the car ahead through Sector 1. Between you and Button's increasing, you're lapping a second faster than him. He's running on four revs, mix three, he's going to attack.
You need to slow down before hitting the corners. We don't want to get a penalty. Massa is losing a second a lap to you. You're down to your last 5% of fuel. We've gone through almost the entire tank. Only 5% of the initial load remaining. Ah putain. Ah quel dommage. Quel dommage. C'est bon Angel, on va sauver les meubles, mais il y a un meilleur coup à faire parce que dans l'incident avec Rosberg, on aurait dû finir les 10 derniers tours de la course. Entendre là, ça aurait changé bien des choses. C'est un autre race win pour le British driver. Paddy Lowe described it as one of his best drives in a Mercedes. He'll be hoping to produce more of the same next time around. It really was a great performance and one that I think will be remembered for a long time to come. That's it for today's Grand Prix and from Ant and I, it's goodbye and see you again next time. Incroyable cet incident avec Rosberg là. Vraiment vraiment stupide. Donc du coup on a marqué 8 points sur cette course qui nous permet de remonter à la 9ème place. On ship une place à Sergio Perez. Et donc next objectif ça va être aller chercher Kiat dans un premier temps. Donc
Ah, ça m'embête hein, parce qu'on avait la chance de faire quelque chose de super, hein, peut-être même un podium d'ailleurs. Et cet incident avec Rosberg nous a mis complètement dedans. Et du coup. Alors, très bon résultat, qui aurait pu être meilleur quand même sans les incidents débiles de l'IA, bah ouais, comme d'habitude. Mais les points sur là, ça aurait pu être mieux. Ouais, bah j'espère aussi, hein. Donc voilà, la course est terminée. On va revoir un petit peu les premiers tours de course, hein, voir ce qui s'est passé un petit peu. C'est vrai que je pouvais difficilement résister à Hamilton dans les premiers virages, et puis après derrière, y avait Vettel, je savais pas trop où il était. Merci Pupito. Mais bon, c'est assez frustrant hein, quand on voit toujours cette IA hein, qui fait des choses assez étranges. Et Rosberg en plus qui revenait de nulle part, hein, parce que au moment où on s'est retrouvé avec Rosberg, il était pourtant parti loin, il a dû partir avec une stratégie décalée, je pense. Alors après j'ai rejoué à Formula One sur PS1 via émulateur, quel pire de rejouer à un jeu rétro. C'est clair, hein. Les jeux à l'ancienne, c'était quand même bien classe. Alors mets la caméra sur Rosberg. Alors voyons voir Rosberg où est-ce qu'il est. Je sais pas sur qui je suis là. Voilà, on est sur le pilote de la Mercedes. Est-ce qu'on a moyen d'avancer plus vite? Alors, ils me disent LTRT, mais le problème c'est que j'appuie sur les touches qui correspondent à LTRT d'habitude et il se passe rien. On va aller jusqu'à l'incident pour voir un petit peu ce qui s'est passé.
Alors Rosberg a vite fait sa remontée. Donc c'est là où il s'est retrouvé derrière moi. Donc ouais, il était en tendre, mais il s'était pas encore arrêté visiblement, donc il avait des pneus usés. Alors après, c'est vrai qu'il a profité de moi, j'avais pas les pneus en température pour me faire l'intérieur sur l'épingle. Donc forcément, ben... Avec les tendres en plus, c'était facile pour lui. Non, il n'était pas dans la même stratégie que moi, c'est clair. Mais par contre, c'est vrai qu'il les a fait durer, ces pneus tendres. Moi qui pensais qu'il était parti sur une stratégie décalée, nous on était tous rentrés alors que lui... Ouais, c'est là où il me fait l'intérieur. Et je reste pourtant bien à l'extérieur, hein. Mais... Alors... On va essayer de regarder ce qui s'est passé. Donc là, il me fait bien l'intérieur. Et là, donc, je reste bien, moi, même dans la ligne d'entrée des stands, hein, quasiment. Et après lui met un coup de roue, à mon avis il voulait rentrer dans les stands. C'est ça qui a dû se passer, c'est que lui il était programmé pour rentrer dans les stands. Et du coup, eh ben... Il m'a embarqué. Et puis alors, pas moyen de m'en défaire. Et puis alors ouais, du coup, ouais c'est ça. Il est rentré dans les stands et il a fini... Alors, et puis il a embarqué Vettel au passage hein, d'ailleurs. Je me loupe le freinage, ouais, ça, c'est sûr que ça a joué sur le... Parce que lui il est arrivé et puis il m'a fait l'intérieur. Mais par contre du coup il s'est rabattu sur moi parce qu'il rentrait dans les stands. Et il m'a pourri ma course. Lui il s'est auto-gaulé. Et puis il a pourri la course à Vettel au passage parce qu'il a explosé Vettel aussi en rentrant dans les stands. Mais en fait Cyril, je vois pas comment j'aurais pu élargir plus ma trajectoire à part... Enfin je pouvais pas deviner qu'il allait rentrer dans les stands. J'aurais peut-être dû vraiment freiner, me mettre derrière lui et attendre de voir dans la ligne droite pour le repasser. Mais je vois que ça, hein. Je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus sur... Sur ce qui s'est passé, bon, en tout cas, ben, voilà, c'est l'IA, c'est génial. C'est F1 2015, donc ouais, je suis un peu déçu parce qu'on aurait pu faire un beau podium, à mon avis. Il y avait moyen de faire un podium, mais ça sera pas pour ce coup-ci, ça sera que partie remise. On se retrouvera alors peut-être, ouais, je crois que c'est normalement, vu comme ça va se passer, on va se retrouver dimanche prochain. Et ce sera sur le Grand Prix de Belgique à Spa, hein, donc un circuit que j'affectionne particulièrement. Donc j'espère faire un résultat. Bon, cette fois-ci, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y avait moyen de faire quelque chose en Hongrie. Mais là, il va falloir faire quelque chose à Spa. J'aurais dû le laisser passer avant le dernier virage. Ouais, mais comme j'étais plus rapide que lui, j'avais une meilleure motricité. Mais tu sais ce que c'est, hein, Cyril? Alors, quand tu regardes le replay, effectivement, tu sais que t'aurais dû. Et voilà, mais quand t'es dans la course, t'as envie de passer, t'as envie de gagner des places, t'as envie de. Voilà, et tu te laisses influencer, tu te laisses aller dans la course, dans l'effet de course, et tu penses qu'une chose, c'est prendre des places, gagner des places, pas perdre le contact avec ton adversaire, et puis voilà. Hein. Donc voilà, y a une part de faute aussi de ma part, ça c'est clair, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est terriblement frustrant.
Donc voilà, pour la F1 ce soir, c'est terminé. Là, je vais. Alors, je sais pas si vous continuez, si vous allez rester un petit peu sur la chaîne. Je vais changer de jeu.